N'essaye pas de construire un mur. N'espère pas construire un mur. Ne commence pas par là. Dis-toi, il n'y aura pas une brique sur cette terre qui sera placée aussi parfaitement que celle que je vais poser. Et fais cela chaque jour. Et avant que tu ne le saches, tu as un mur de construire. Il est difficile de faire le premier pas quand tu vois à quel point la tâche est grande. La tâche ne me semble jamais trop grande. Il ne s'agit à chaque fois que d'une brique. La vérité, c'est que tu rends la situation plus compliquée. Tu sais, la plupart d'entre nous la rendent plus compliquée. 99% des personnes ne veulent pas faire ce qui est nécessaire afin d'accomplir leurs rêves. L'autodiscipline est au cœur de tout succès matériel. L'échec est une des clés essentielles au succès. Tu dois te sentir à l'aise avec l'échec. Tu dois même rechercher l'échec. L'échec est où les leçons se trouvent. Par exemple, tu vas à la salle et tu t'entraînes. Tu cherches en fait l'échec. Tu veux emmener tes muscles au point de rupture. Car c'est là que l'adaptation se fait. C'est là que l'évolution se trouve. Les soldats américains ont un dicton. Tout le monde veut aller au paradis, mais personne ne veut mourir. Et c'est la simple vérité. La base de tout rêve atteint est l'autodiscipline. Ce n'est pas tellement à propos de ton corps, c'est plutôt pour ton esprit. Tu dois prendre le contrôle de ton esprit et choisir des actions qui servent ton intérêt. Tous les jours, nous faisons des choix qui ne sont pas dans notre propre intérêt. Et si le monde t'attaque, que le monde t'en veut et qu'ils essayent de te bloquer, vas-tu te tirer une balle dans le pied? Tu te bloqueras tout seul et passeras à côté de ton rêve. Le succès, ce n'est pas cette magnifique magie inaccessible qu'uniquement l'élu parmi nous goûtera. C'est quelque chose qui existe vraiment. En chacun de nous, il y a une certaine qualité délirante que toute personne qui a du succès doit posséder. Tu dois croire à quelque chose de différent que ce qu'il s'est passé pendant ces 15 dernières millions d'années. Je crois franchement, assis comme je le suis face à toi, honnêtement je te le dis, je pense vraiment que je pourrais être le président si je le voulais. C'est ce que je crois, et je pourrais mourir pour ça. Être réaliste est certainement la route la plus empruntée vers la médiocrité. Tu ne peux pas gagner la guerre contre le monde si tu ne sais pas gagner la guerre contre ton propre esprit.